Saint-Esprit agit, Konya. Saint-Esprit agit, Konya. Moi, je voulais vous guider. Moi, je voulais vous contrôler. Souple. Saint-Esprit agit, Konya. Saint-Esprit agit, Konya. Moi, je voulais vous guider, s'il vous plaît. Moi, je voulais vous contrôler, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas faire rien sans vous. Oh, non, 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 non. Moi, je ne peux pas agir sans vous. Oh, moi, je ne peux pas faire rien sans vous. Oh, moi, je ne peux pas agir sans vous. Moi, je voulais vous guider. S'il vous plaît. Saint-Esprit, agis, Konya. Saint-Esprit, agis, Konya. Je voulais vous guider, moi. Je voulais vous contrôler, moi. Souple. Je voulais vous guider, je voulais vous contrôler, s'il vous plaît. Je voulais vous guider, je voulais vous contrôler, s'il vous plaît. Je voulais vous guider. Moi, je voulais vous contrôler, s'il vous plaît. Moi, je voulais vous guider, moi, je voulais vous contrôler, s'il vous plaît. Bonsoir, bon Dieu bénit tout le monde. Donc, moi, ben, bon Dieu, gloire, nous exalter dans le Seigneur, jeudi encore. Jeudi, dimanche, ça, qui c'est 9 août 2020. Donc, nous sommes contents, nous sommes heureux. Nous exalter le nom du Seigneur, qui ben, nous a l'opportunité, qui ben, nous a le privilège pour nous capables là, pour nous continuer avec travail, ça, que le Seigneur lui-même lui confie nous. D'ailleurs, c'est pas notre travail, mais c'est le travail de Dieu. Donc, nous contents et c'est un privilège, c'est une opportunité que nous gagnons. Pendant que nous gagnons souffle ça dans nous, nous avons respiré, nous gagnons une opportunité pour nous travailler pour le Seigneur, pour nous porter contribution par nous, pour permettre que le royaume bon Dieu soit capable de grandir. Donc, moi salue à la gloire de Dieu, frère Dieu Nord, moi salue. Moi, salue tout le monde qui va le rejoindre nous, soit en direct ou du moins en différé. Donc, nous saluons, ou même qui peut-être va attendre nous sur YouTube, qui va regarder nous sur Messenger, ou même qui va regarder nous sur Facebook. Donc, nous saluons à la gloire de Dieu. Donc, comme on connaît, rendez-vous déjà, c'est chaque dimanche, à partir de 3h30 ou 4h, 30 minutes, côté que. Nous là pour nous partager ensemble sur l'adoration. Nous avons gagné plus que moi depuis que nous ensemble nous avons partagé des choses sur l'adoration. Je vous encourage pour que vous fassiez le rendez-vous, ça, un rendez-vous, vous êtes capable de dire un rendez-vous à ne pas rater.
Donc, depuis, il fait 3h30, dépendamment de la zone que vous. Donc, on dit 3h30 pour Haïti. Donc, peut-être chaque autre zone que vous est capable d'avoir l'heure qui fixe, l'heure dépendamment de zone là, parce que ça a un décalage horaire. Donc, est capable de gagner ça. Donc, pour Haïti, c'est 3h30 pour arriver 4h. Ça dépend de zone que vous est capable de déterminer qui l'heure que lié exactement pour capable toujours prendre un petit rendez-vous ça au présent ensemble avec nous. Autre chose que m'a encouragé au fait, m'a encouragé au inviter un autre monde pour capable partager moment ça ensemble avec nous. Inviter un autre monde pour brancher. M'a invité aussi pour partager live là, donc partager lien soit sur Facebook, soit sur WhatsApp, soit sur Instagram, donc partager lien, partager live ça pour que l'autre monde capable au courant de travail ça, pour que plus monde capable bénéficier de moments ça que nous avons passé ensemble. Rapidement, moi invité à disposer cœur, j'en connais nous habitués, fait déjà, donc non pas qu'à faire rien, c'est la présence de Dieu. Donc c'est ça que moi invité à disposer pour que nous, demandons bon Dieu, prend le contrôle de ce moment. Seigneur, nous disons merci, nous barons gloire, louange, honneur, exaltation que vous-même seul vous méritez. Merci pour le privilège, ça. Merci pour l'opportunité, ça, que vous accordez nous jeudi encore, qui c'est 9 août 2020, vous accordez nous privilège pour nous ensemble, pour nous continuer à partager sur l'adoration et la louange. Merci pour la présence qui est déjà là, pour capable enseigner nous, Seigneur, parce que c'est notre enseignant, le Saint-Esprit. Et permettre que chaque ami qui est capable de rejoindre nous, dans un moment, ça, nous sommes tous capables de trouver quelque chose pour permettre que nous répondions à la mission nous sur terre, pour nous répondre à la destinée nous, pour nous répondre à la raison d'être nous qui s'est adoré. Dirigez-nous, Seigneur, enseignez-nous et bénis ce moment. Bénis chaque ami qui a vraiment partagé ce moment ça ensemble avec nous. C'est prier nous devant dans le précieux nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, merci beaucoup. Donc, nous, rapidement, pour aller rentrer dans l'enseignement pour aujourd'hui. Hein? Donc, avant même que nous rentrions dans le mot que nous avons considéré pour aujourd'hui, hein? Moi, je voulais juste faire un rappel pour vous. Donc, nous toujours prendre le temps, prendre le soin pour nous faire un rappel pour vous. Donc, depuis quelques jours, nous avons essayé, je dis à moi, croyez si m'a abusé, nous sommes sur quatrième tentative de définition à l'adoration. Donc, moi, j'ai fait tirer ça pour moi, j'ai dit, dès que nous parlons de l'adoration, nous parlons exactement de louange aussi, parce que l'adoration et la louange n'ont pas capable de détacher l'un de l'autre, donc ils ont marché de pair, ils ont marché ensemble. Donc, nous sommes sur quatrième tentative de définition à l'adoration. Donc, d'une part, on a parlé de l'adoration, d'autre part, on va parler de la louange. Et après, on va essayer, ouais, est-ce que tous les deux, c'est le même bagaille? Est-ce qu'il y a une différence entre eux-mêmes? Est-ce que nous sommes séparés? Comment nous sommes capables d'arriver à marier les deux ensemble, puisque nous disons que l'adoration et la louange ont marché de pair. Donc, je dis à cette quatrième tentative de définition, et nous t'ai expliqué déjà pour qui ça nous dit c'est une tentative de définition. Nous avons trois mots, je dis à nous sur le troisième mot hébreu. Non? Donc, je dis à nous sur le troisième mot hébreu, nous avons un premier mot hébreu que nous avons considéré pour qui c'était Ségad. C'était le premier mot hébreu que nous avons considéré pour nous essayer de définir l'adoration. C'était le mot Ségad. Et le deuxième mot que nous avons considéré, c'était le mot Abad. Et je dis à, nous allons considérer un troisième mot hébreu pour l'adoration qui c'est Chaka. Donc, dimanche, si Dieu veut, nous sommes capables peut-être commencer par considérer les mots grecs. Parce que nous avons dit, nous avons considéré à la fois les mots hébreux et les mots grecs pour permettre que nous comprenions et l'adoration et d'autre part la louange. Donc, pour le moment, nous sommes au troisième mot hébreu pour l'adoration. Dis-moi si Dieu veut, nous sommes capables de commencer par aborder des mots grecs pour l'adoration. Après, nous avons abordé des mots hébreux pour l'adoration. Après, nous avons abordé des mots grecs. Donc, ça arrive que nous avons d'autres mots
Ça arrive que nous avons d'autres mots parce que nous avons l'autre mot hébreu, nous avons plus que trois ça que nous avons. Donc, dépendamment de Jean, le Saint-Esprit de Dieu lui-même lui oriente nous, ça arrive que nous avons d'autres mots hébreux qui a facilité nous comprendre le sens même de l'adoration. On te dit, il est important pour nous capables chercher à comprendre le sens de ce mot qui c'est adoration, parce que nous toutes net qui a vivre, nous toutes net qui exister, nous à vivre, nous exister pour nous capables adorer bon Dieu, pour nous adorer le Seigneur, c'est raison ça même qui fait que nous à vivre, c'est raison ça qui fait que nous exister. Donc en termes de rappel, nous te définir le mot segad. Il te dit, Ségad veut dire se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. Donc, c'est comme ça que nous te définir le mot Ségad. Se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. Dimanche là, nous te définir le mot Abad, qui te veut dire œuvrer, travailler ou servir Dieu. Et dimanche là, on t'a montré tout ça qu'il aura fait pour le Seigneur. Par le fait que ou appartenir à le Seigneur, donc yo c'est des expressions ou du moins c'est des actes d'adoration que yo y est. Et moi t'ai dit non que l'adoration c'est pas le chant, nous commençons par ça. L'adoration c'est pas le chant, mais l'adoration c'est une vie dédiée à Jésus-Christ. C'est une vie dédiée au Seigneur, une vie consacrée. C'est une vie au pied du Seigneur, c'est ça même l'adoration. Donc, l'Europe travaille bon Dieu, donc, on va exprimer adoration, on va exprimer admiration, exprimer contemplation, exprimer amour que vous gagnez pour bon Dieu. Donc, ça a aussi des actes, c'est des expressions d'adoration que vous avez. Je pense que nous avons gagné pour nous, ouais, dans le cadre de live, ça que nous continuons à partager. Nous avons gagné pour nous les expressions dans ce qui concerne adoration et louange. Nous avons gagné pour nous les expressions. Donc, Fréchid, nous saluons, bienvenue. Donc, nous espérons que vous continuez à inviter l'autre bien-aimé pour nous rejoindre nous, pour nous capables de continuer route là ensemble à la gloire de Dieu. Donc, c'est des expressions que vous avez, des expressions d'adoration. Donc, je dis à nous voulons aborder avec vous le mot chaka. Le mot chaka, que nous voulons baou orthographe. Le mot chaka, c'est S-H-A-K-A-H. Donc, nous sommes j'ai été déjà. Donc, le livre vraiment, si j'apparais être loup. Pour capable de placer S-H-A-K-A-H. C'est ça le mot chaka. Le mot chaka, j'aime te dire tout à l'heure, c'est le troisième mot hébreu que nous avons considéré dans le cadre de tentative de définition à adoration. Je pense que vous-même qui commencez à suivre live là avec nous depuis juillet, ok, vous-même qui commencez à suivre live là avec nous depuis le mois de juillet 2020, donc si nous t'as dit ou qui sa adoration y est, donc c'est sûr et certain que vous êtes capable de gagner des éléments de réponse facilement pour dire nous en quelques mots selon Jean Bon Dieu l'ouvre les yeux dans ça que nous partageons déjà. On est capable de dire non, qui sa adoration lui-même lié. Donc, même si c'est une définition, ce n'est pas forcément ça que nous avons déjà, qui est absolument capable de répéter, mais par rapport à compréhension, par rapport à Jean, le Saint-Esprit de Dieu, lui enseigner ou lui ouvrir l'esprit dans ce que nous partageons, on est capable en mesure pour dire non, qui sa adoration lui-même lié. Je dis à Napoué le mot chaka, d'accord? Après le mot chaka, moi dit li écrit S H A K A H, OK? C'est un mot hébreu que li. Chaka c'est un mot hébreu que li. Qui ça chaka li veut dire? Chaka li veut dire se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Ma reprend la définition du mot chaka. Chaka veut dire se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Donc, invitez-vous à partager le live là avec les amis ou yo, comme ça, vous capable de bénéficier de l'enseignement ça qui est très bon pour la vie spirituelle, nous toutes.
Donc, chaka veut dire se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Donc, si nous considérons le mot ça, troisième mot hébreu ça, qui aide nous à comprendre l'adoration, c'est un mot qui est extrêmement fort, un mot qui est très profond. Et chaque mot dans la définition est très parlant. Chaque mot dans la définition est très parlant. Pas gain aucun mot dans la définition ça qui est innocent. C'est ce qui permet que me dire. Je veux vous comprendre ça, Nabdiyo. Le mot chaka, il veut dire se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Il y a se prosterner, il y a soi-même, il y a hommage et il y a honneur. Donc, tout mot ça, c'est des mots qui sont extrêmement forts, qui sont extrêmement importants dans la définition ça. Donc, le mot adorer, adorer, c'est se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Adorer, c'est se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. D'après le troisième mot hébreu que nous avons considéré aujourd'hui, c'est le mot chaka. Donc, nous voulons vraiment porter attention sur ça. Donc, adorer, c'est se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Se prosterner, donc d'ailleurs, il y a une différence entre se prosterner, s'incliner et s'agenouiller. Se prosterner, s'incliner, s'agenouiller. Donc, c'est trois expressions très profondes en ce qui concerne l'adoration. Se prosterner, s'incliner, s'agenouiller. Donc, yoba veut dire même bagaille. Donc, se prosterner, là, on dit se prosterner, c'est coucher face contre terre. C'est le visage contre terre. OK? Donc, malheureusement, nous pas fait live là, dans un niveau qui avancé pour nous être capable de permettre que ouais des images face avec ça que nous avons dit. Donc, si nous avons fait live là, dans un niveau qui plus avancé, nous sommes capables de ouais des images. Donc, se prosterner, donc, c'est face contre terre. OK? C'est face contre terre devant Dieu. Alors que s'incliner, donc peut-être on va faire le cas, ouais, s'incliner si l'on fait comme ça. OK? Ou incliner, c'est ça ou incliner. S'agenouiller, donc c'est ça peut-être nous faire le plus souvent, nous agenouiller devant bon Dieu. Donc chaque expression ça yo c'est une dimension dans niveau dans profondeur que arrivé dans présence de bon Dieu. Donc gain au niveau que arrivé dans présence de bon Dieu, on a senti une simple inclinaison ou seulement incliné, on a senti que ça pas suffit. Gain au niveau arrivé dans présence de bon Dieu, on a senti ou à genoux seulement, on a senti que ça pas suffit. Gain au niveau arrivé obligé longer corps à terre ou longer face contre terre. Visage contre terre devant bon Dieu, devant la présence de Dieu. Mais ça a demandé un niveau d'intimité, un niveau de présence bon Dieu de manière extraordinaire. Parce que pour qui ça a dit que demander un niveau de présence bon Dieu extraordinaire, parce que moi-même avec vous, nous toujours à faire logique, nous toujours à poser peut-être nos questions, donc nous toujours comme on a dit ça. Vle faire de bagay dans une façon réduite, dans un format réduit. Donc, pour qu'on sente que ou seulement incliné, donc là, vous mettez à genoux, ou sentez que vous ne mettez à genoux, vous sentez que vos genoux font mal, etc. Voir pour arriver dans un niveau côté que vous couchez à terre devant bon Dieu, face contre terre. Donc, c'est un niveau d'intimité, un niveau de présence, mon Dieu, qui a mené dans la prosternation. C'est un niveau de présence de bon Dieu qui a mené dans la prosternation. Donc, pas oublier nous dans le mot hébreu, ça, qui c'est chaka, qui veut dire se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Donc, se prosterner,
nous avons considéré le premier mot dans la définition qui c'est se prosterner. Donc nous faisons différence pour vous entre se prosterner, s'agenouiller et s'incliner. Donc j'espère que vous-même qui avez regardé le live ça capable de faire différence entre se prosterner, s'incliner et s'agenouiller. Donc deuxième bail qui intéresse nous dans la définition c'est soi-même. Donc l'MTPC réfléchit, penser avec soi-même ça. Donc ça veut dire c'est ou même prosterner ou même prosterner ou même. Ça veut dire descendre ou même devant bon Dieu. Ici, moi on sort d'abandon. Moi on sort d'oubli de soi. Pour arriver prosterner devant bon Dieu, lui demander en sorte d'abandon, en sorte d'oubli de soi. Et c'est ça qui fait personne pas qu'à adorer bon Dieu pendant que la pensée avec tête lui. Personne pas qu'à arriver adorer bon Dieu pendant que lui ouais tête lui. Et ça fait se prosterner soi-même. Ça veut dire ou prosterner à toute sorte. Tout ça possédé, tout ça te ka représenté, yo tout net prosterné. Yo tout net prosterné devant Dieu. Donc que ou te konn parler anglais, ou te konn parler français, ou te fait des études, ou te gen doctorat etc. Donc toute connaissance moins prosterné devant bon Dieu. Tout ça te ka fait comme étude. Yo tout net prosterné. Et tout net prosterné devant bon Dieu. Et tout net fléchi devant bon Dieu. Parce que en pile fois on va faire nous pas adorer bon Dieu, c'est encore nous-mêmes. Il y a un qui fait en pile fois que nous pas adorer bon Dieu, c'est encore nous-mêmes. Nous garder tête nous garder peut-être mon belle veste moi, mon parfum qui sentit bon etc. Le m'a parlé, etc. Donc, moi, j'ai des mots, des expressions extraordinaires que m'a utilisé. Donc, moi, senti que moi, pas qu'à prosterner, moi, pas qu'à allonger devant mon Dieu. C'est ça que fait Moshaka, même, c'est se prosterner soi-même. Se prosterner soi-même, ça veut dire avec tout ça me gagne comme connaissance, avec tout ça me gagne comme savoir et avoir. D'accord? Avec tout ça, me gagne comme savoir et avoir. Ok? Donc, je parle de la théorie des trois rois. La théorie des trois rois, je crois que c'est savoir, avoir, pouvoir. Ok? C'est la théorie des trois rois. Même si je ne connais pas quel niveau que vous êtes par rapport à la théorie des trois rois, qui c'est le savoir, l'avoir et le pouvoir, de quel que soit ça, me dégagne, moi, prosterné devant bon Dieu. Maintenant, se prosterner soi-même pour faire quoi? Pour rendre hommage et honneur. Se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. C'est ça l'adoration. Donc, dès que moi je dis m'adorer, c'est prosterner. Et je vais aller plus loin pour me dire que la prosternation n'est pas seulement un acte physique, mais un acte spirituel aussi. Par contre, si vous comprenez ça, vous là. La prosternation que l'auteur a parlé là dans l'adoration n'est pas seulement un acte physique, mais une dimension spirituelle aussi. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire. Ce n'est pas parce que je me prosterne et me couche face contre terre qui fait réellement me prosterner devant mon Dieu. Mais au fond de moi, au fond de mon être, je me prosterne. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout le monde qui est physiquement, visiblement, moins debout. Mais au fond de moi, je me prosterne. Ça, c'est une autre dimension de la prosternation. C'est pas parce que physiquement, je me prosterne. Prosterner devant bon Dieu qui fait me prosterner tout bon, même physiquement, visiblement, je suis capable de camper, tout le monde va camper, mais au fond de moi-même, je sens que je suis prosterné. Ok, je devais attirer attention sur paramètre ça dans le mot prosternation.
Donc, m'a adoré, me prosterner devant mon Dieu, moi-même, pour me rendre hommage et honneur. Pour me rendre hommage et honneur. Hommage, honneur. Je pense que j'ai un peu de choses dans la vie qui te cap fait nous comprendre mot ça, hommage. L'Europe baille un monde en hommage. L'Europe baille un monde en honneur. Peut-être que Léon moun mouri, il dit qu'il n'y a pas le ballon dernier hommage. Frère Rubens, mon Dieu béni. Donc, il dit qu'il n'y a pas le ballon dernier un dernier hommage. Et il y a un pile cas dans l'histoire côté que il y a bay moun hommage, il y a bay moun honneur. Donc par rapport avec parfois une victoire, il y a un exploit que un monde fait, il y a bali hommage, il y a bali honneur par rapport avec renommée que un monde gagne, il y a bali hommage, il y a bali honneur. Donc l'Europe adorer bon Dieu, c'est prosterner. Je voulais prendre ça, reprendre ça pour bien incarner dans l'esprit chaque monde qui a regardé nous, chaque monde qui a attendu nous. M'a adoré, dès que moi dit m'a adoré, c'est rendre, m'a rendre hommage à Dieu. Me prosterner moi-même pour me rendre hommage, pour me rendre honneur à Dieu. Je t'ai raconté une histoire, donc peut-être que moi-même pas vraiment trop branché sport et pas fait des recherches sur ça. Donc peut-être si un monde qui a regardé, qui est informé de ça, il est capable de mieux éclairer l'antenne. Mais yo, essayez de faire nous comprendre que tu as Michael Jordan, le grand basketteur. Il fait nous comprendre que le monsieur a mis fin à la carrière. Li. Soit il a un discours, un bagage comme ça qu'il a fait. Le fin fait, le public a passé une heure à acclamer. Public l'a passé une heure. Quoi, Jonas, bon Dieu béni, même si on est en retard, on est bienvenu. Public l'a passé une heure à acclamer. Imaginez-vous, il y a un monde, il y a un public passé une heure à acclamer mon nom. Pour Bali en honneur, pour Bali en hommage, pour montrer comment ils comprennent toute saleté fait. Dans le domaine sportif là, pas dans la carrière là. Et il y a deux mondes par rapport avec non que mon a gagné de deux côtés mon a rentré, yo dit que yo mettait tapis rouge. Yo mettait tapis rouge pour mon nom. Prends un exemple ça yo pour montrer nous que l'homme en pile fois nous by honneur avec l'homme pareil, non. Donc, ce n'est pas mauvais pour que nous baillons honneur avec des mondes qui accomplissent des choses spectaculaires, des choses, on est capable de dire, qui sont très considérables. Mais maintenant, si par exemple, on fait tout ça pour un monde, pour montrer, j'aimerais honorer, qui ça me doit faire pour bon Dieu maintenant pour montrer bon Dieu j'aime honorer. Qui ça me doit faire pour bon Dieu pour me rendre hommage. Donc un chef d'État par exemple qui de côté on l'a pour rentrer donc tout le monde obligé camper pour saluer. Tout le monde obligé camper pour saluer, pour acclamer. Donc, là, on a adoré bon Dieu, on a rendu hommage, on a rendu honneur à Dieu. Fâchez de nous recevoir à la gloire de Dieu. On a rendu hommage, on a rendu honneur à Dieu. Comment on a rendu hommage? Comment on a rendu honneur à Dieu? Donc, c'est des questions pour commencer par poser tes tours. Si adorer bon Dieu, c'est rendre hommage, c'est prosterner moi-même devant bon Dieu. Donc, je pense qu'à partir de mots que nous commençons, ouais, quand aider nous comprendre le sens de l'adoration, moi-même avec vous, nous ne devons pas commencer à poser peut-être nos questions. Est-ce que je vais adorer bon Dieu? C'est deux questions que moi-même avec vous, doit commencer à poser tête non.
est-ce que m'a pas adoré bon Dieu? Notez ouais le mot segad qui te fait nous penser avec crainte, respect que nous gagnons pour Dieu. Notez ouais le mot abad qui fait nous penser avec travail que nous fait pour bon Dieu, service que nous fait pour bon Dieu. Et notez ouais le motif. Notez ouais le pourquoi de travail que nous fait pour bon Dieu. Et je dis à nous ouais la prosternation de soi. La prosternation de soi. C'est ça adoration. C'est prosterner au même. Parce que ou même qui gagne chance à partager ce moment ça avec nous. Pour ça, nous ne pouvons pas continuer à réduire l'adoration à une question de chanter. Nous ne pouvons pas continuer à réduire l'adoration à une question de chanter. Donc, c'est nous avons pour nous une question de chanter dans l'adoration, parce que c'est une expression aussi dans l'adoration. Mais dès que vous parlez de l'adoration, pas penser avec le chant, parce que le chant n'est pas l'adoration. Si moi avec vous nous dit que nous adorons bon Dieu, nous sommes seulement contents et nous chanter, nous ne pouvons faire rien. Permettez que je dise ça. Si moi avec vous nous dit que nous adorons bon Dieu, nous réduisons l'adoration à une question de chanter, 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 chanter seulement. Nous seulement contents et nous c'est chanter, c'est ça qui est adoration, nous ne pouvons faire rien. Nous ne pouvons faire rien. L'adoration, c'est une vie. C'est une vie. Et adoration pas jamais fini. Adoration pas jamais fini. Donc, le roi dans le temple, ou dans l'église locale, par exemple, pour chanter, culte la durée 3 heures. Les cultes la fin, on a la caillou, donc service la terminé. Le culte a pris fin, mais l'adoration continue. L'adoration est continuelle. L'adoration est permanente. L'adoration, c'est ma relation avec Dieu. L'adoration, c'est mon intimité avec Dieu. C'est ça l'adoration. C'est tête à tête moins avec mon Dieu. La vie du chrétien, lui résumée par l'adoration. L'adoration résume la vie du chrétien. Et d'ailleurs, on me dit, attire attention nous sur ça. Parce que en plus fois nous fait ça dans la culture. Nous dit que nous finons adorer qu'on n'a pas le temps de le message de la parole de Dieu. Donc le message de la parole de Dieu fait partie de l'adoration. L'école dominicale fait partie de l'adoration. Ceci est tellement vrai, ouais, mon Dieu dit que leur fin chanter parce que nous considérons que nous fin chanter qu'on a assez nous t'a adoré. Parce que nous réduisons l'adoration à une question de chanter. Donc, quand nous finissons chanter, quand nous, et puis on dit que nous finissons adorer, nous prenons rentrer dans la partie qui est plus importante dans ce service-là. Et chaque fois, je me dis que je dis ça, je blesse comme. Chaque fois, je me dis ça, comme saigné, comme déchiré. Nous pourrons rentrer dans la partie qui est plus importante dans ce service-là. Donc, qui est cette partie qui est plus importante là? En plus, c'est le message-là. C'est cette partie qui est plus importante là. Je attire l'attention sur ça. Le message, c'est pour les hommes. Message, c'est pour le monde. Parce que l'homme prêche qui s'en fait. Ou exhorter. Ou encourager, ou motiver. C'est ça qu'on fait dans un message. Bon Dieu qui a utilisé un message là pour faire une parole avec les gens. Mais bon Dieu pas recevoir un rien dans un message là. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. Bon Dieu pas recevoir un message là. Un message là, c'est pour l'homme que lié. Et l'adoration, c'est un ministère éternel. Dans le ciel, là, pas bien prêcher. Donc, prêcher est important, parce que moi, je prêche tout. Prêcher est important.
pas gain prophétiser dans ciel là, pas gain parler en langue. Parler en langue important, même parler en langue tout. Mais pas gain bagage ça dans ciel là. OK, pas gain dans ciel là. Gon paquet de bagage qu'il a fait sous terre, il a prêté sous terre, mais l'adoration l'a demeuré éternellement. Mais que, bien que un grand titre ne peut pas parler de adoration directement, mais elle dit les prophéties y a cessé, langue a cessé, la connaissance disparaîtra. Tout bagay sa yo, Jean apôtre Paul dans 1 Corinthiens là l'a dit a disparaître. Donc il a fini à disparaître. Mais adoration a demeuré. Donc il a déjà fini. Adoration a demeuré. Donc chaque monde qui tande nous mes amis. Moi exhorter nous pour nous pas continuer utiliser langage ça. Cette question nous va le passer dans la partie qui est plus importante dans ce service-là. Ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Donc, si on partie qui n'est pas important, pourquoi ça nous fait? Bon, pas important, pas fait. Pas une partie qui est plus important dans ce service-là. Tout service-là, c'est adoration. Toute la vie chrétienne, c'est adoration que lié. Donc, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage qui est lié. Ok, cette question de nous fin adorer, quand y a nous pas faire offrande, Jean-Frère Loubin Dili, nous fin adorer, nous pas faire ceci, nous faire cela bas. Offrande que ma belle dans l'adoration, d'ailleurs, ma vie, c'est plus grand offrande. L'adoration même, c'est une offrande à Dieu. Nous devons nous voir ça. Nous devons nous voir, l'adoration, c'est une offrande à Dieu. OK? Donc tout service là net, c'est adoration. Toute la vie net, c'est adoration. Donc comme l'église là, moi dans l'adoration, comme dans le cabinet là, dans l'adoration, comme dans la salle de classe là, moi dans l'adoration, quel que soit côté mien, moi dans l'adoration. Donc moi j'espère que bon Dieu bénisse nous. Il est déjà 4h 4 minutes. Donc c'est l'heure pour nous prendre congé de où. Mais que nous sentions ta parler toujours. Mais c'est l'heure pour nous prendre congé de vous. Nous remercier chaque monde qui était présent ensemble avec nous, qui t'a partagé ce moment ça ensemble avec nous. Que bon Dieu capable bénir nous, que grâce bon Dieu capable envelopper nous et que le Saint-Esprit continue enseigner nous pour que Dieu nous l'ouvre tout bon vrai sous sa adoration et pour nous rentrer dans l'adoration véritable que le Seigneur lui-même lui attend de nous. Moi, t'es content pour m'être avec nous. Merci parce que tu es là. Que bon Dieu capable de continuer à bénir. Ça m'a encouragé au fait. C'est même si le live l'a fini, prends un petit temps, partagez le lien. Il y a un monde qui ne pas être là avec nous dans le live là. Mais heureusement, Facebook a accès pour que le live là était disponible. Pour que même si quel que soit tant que tu es passé à, mon a un privilège pour le capable continuer garder. Donc bon Dieu bénis nous. Mon remets nous en pile dans Seigneur. Donc rendez-vous ça, c'est un rendez-vous permanent que lié tous les dimanches 3h30 4h. Donc dépendamment de zone que vous y a, déterminer qui le lié pour vous. Pour que vous capable toujours là ensemble avec nous. Tant que Chili, Brésil, nous avons pas même l'heure avec Haïti, la France que nous connaissons qui pas même l'heure avec Haïti. Donc, dépendamment de zone que vous y a, déterminez dans qui l'heure que lié pour vous. Pour nous même Haïti, c'est 3h30 pour 4h. Donc, nous sommes toujours là pour nous partager ensemble sur l'adoration et la louange. Disposez cœur pour nous capable prier le Seigneur ensemble. Seigneur, nous disons merci pour le moment ça que nous passons. Merci pour chaque monde qui t'a partagé ce moment ça ensemble avec nous. Nous demandons que grâce soit capable de reposer de manière abondante sur la vie, nos chers Seigneur. Et l'ouvrir les yeux nous, pour nous capables de comprendre parole ou davantage, pour nous capables de rentrer dans la réalité ça qui c'est adoration. Merci
bénis semaine pour nous et permettre que nous menions vie d'adoration. C'est prier à nous devant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, merci beaucoup à nous toutes. Pas oublier que moi toujours invité nous à poser des questions ou qu'à poser des questions directement sous page là ou qu'à poser en commentaire en bas live là. Comme ça tout, ou capable de poser nos questions yo, soit par WhatsApp, soit directement, d'une façon qui est beaucoup plus simple et rapide pour vous. Mais moi, encourager à poser des questions. Si il y a des choses qui paraît flou pour vous, il est important de poser des questions parce que live là, il est fait pour nous toutes, pour nous capables de grandir ensemble à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse. À dimanche si Dieu veut, même l'heure là. Toujours sous même page Facebook ça. L'heure là c'est 3h34 et page Facebook là c'est Bertin d'Orvillemort, adorateur du roi des rois. Bon Dieu bénisse et continuez à partager live là. À dimanche si Dieu veut. Bye bye.